Bonjour. Alors, on connaît l'univers de John le Carré qui est très bien décrit. Donc, est-ce que pour un film comme ça, vous avez besoin de documentation supplémentaire? Est-ce que vous rencontrez des personnes justement qui naviguent dans ces eaux-là, disons? Et voilà, donc comment vous travaillez cet univers? We mostly relied on John le Carré. We had some visits to the Secret Services. We also had a Islamic advisor to get all the praying scenes and all these habits, if you like, or rituals correct, like the bathing scene, and which was interesting. I didn't know that it was okay to have a shower naked if you can touch the walls of the shower, but if the space is too big, it shouldn't be naked, which I never heard of. So we had all these elements correct, and then John le Carré gave us, of course, personal advice on how the spying game works. That the movies we all know, the Jason Bourne, the James Bond films, is what people expect to be a spy film to adhere to. But in reality, it's a very mundane job. People sit and wait and watch. So that was an important element, and that's how we looked at the spying game in the film. Also, John le Carré gives good advice on how you treat the people who spy for you. So the Bachmann-Jamal relation in the film was based on his comments. So you have to be there as a friend or as a father or even as a lover. That's how you get information. And if somebody breaks up with his girlfriend and calls you at 2 o'clock in the morning, you have to be there for that person. So you have to gain that trust, I think. On s'est beaucoup reposé sur ce que John le Carré nous avait fourni comme élément. On a rencontré par ailleurs un peu, oui, des services secrets pour connaître leur fonctionnement. Et puis on avait un conseiller islamique, c'est-à-dire on avait une personne qui, en quelque sorte, donnait son aval sur la correction de tout ce qu'on donnait à voir en termes de rituel pour qu'il n'y ait pas d'erreur culturelle. Par exemple, pour la scène de bain, la scène où il se lave, il y a quelque chose que j'ai appris moi-même auquel je n'aurais pas pensé, c'est que du point de vue religieux, il est possible d'être nu, de se laver nu, à condition que l'on touche les parois de la douche ou de la salle où on se lave. Si l'espace est trop grand, il ne faut pas être nu. Donc ce sont comme ça des informations que nous devions avoir pour que tous les rituels en fait soient plausibles dans la façon dont ils étaient décrits. Et puis il y a aussi un certain nombre de choses qu'on nous a expliquées, parce que bon, il y a cette culture cinématographique, on a des films de Jason Bourne, James Bond, et des films d'espionnage où ce sont des scènes très ardentes, mais ce n'est pas toujours ça. Justement, John le Carré nous a appris que la vie des services secrets, c'est très souvent des choses extrêmement banales. C'est un métier très terre à terre où ces gens-là juste s'installent quelque part et ils attendent que la vie passe et que les choses leur arrivent. Donc il a fallu aussi que nous, on inscrive leur activité dans ce rythme-là et cette énergie-là. Et puis, John le Carré nous a aussi donné des indications sur les relations affectives qui se créent entre les services secrets et les indiques. Toute la relation entre Bachmann et Jamal, telle que nous l'avons construite, s'est basée sur les indications que lui nous a apportées, que c'était des relations paternelles, amicales, voire amoureuses, où il fallait absolument que vous soyez là, présent pour votre indique, puisque la confiance ne pouvait s'établir que dans ces rapports-là. As you probably know his work, it's very densely layered, and they're thick books, very difficult to put into a script for a 2-hour film. So we either have to make like a TV series of 6 or 8 hours or gruesome stuff. And one of the bigger elements we lost, I think, is these British Secret Services in the book. And obviously, I needed to
find a protagonist that was not that obvious in the film, but I liked the Bachmann character the most, so that he became our main character, and see the film through his experience. The Jamal character was an invented character, so yeah, there were definitely changes there compared to the book. John McRae was an executive producer, and two of his sons are producers, so there's a protection of the legacy to a degree. But they were okay with these changes, and I think for a writer it's always difficult to see how much of your work actually changes for a film, but I guess he's used to it by now. Vous avez raison d'avoir des craintes, puisque effectivement les pavés de John le Carré sont souvent trop touffus pour pouvoir être aisément portés à l'écran et prendre la forme écrite de scénario. Là, en l'occurrence, la perte que l'on risquait le plus était cette... puisqu'il y avait comme ça ces couches successives, c'était du point de vue de la distribution des points de vue et des personnages. Donc il s'agissait en fait de dégager des personnages. C'est comme ça que moi j'ai choisi que le regard soit davantage celui de Bachmann que des autres. Et puis il y a par exemple le personnage de Jamal qui n'existait pas, qui est un personnage inventé. Donc c'était des modifications qui nous ont paru nécessaires pour que ça puisse prendre la forme d'un long métrage. Et John le Carré lui-même, il se trouve qu'il était le producteur exécutif, que deux de ses fils participaient également à la production. Donc il y avait comme ça cette espèce de question de loyauté qui se posait. Je suppose que pour John le Carré, étant donné ce qu'il écrit, il y a toujours une difficulté à voir porter à l'écran son écriture tellement dense, mais après tout ça... Ça commence à faire un certain nombre de romans qui ont été adaptés, donc il a dû s'y faire. You know, Philip, how shall we say it? I met him a few times in 2011. Then he agreed to do the film, and we discussed the role a lot beforehand. We started to work on the accent that he has in the film. Because there's a few ways to go about this. There's some movies where people speak a foreign accent and then drop it after 1 minute and go into English. I don't like that approach, so we went to the approach that, for instance, Schindler's List used, where English and American actors are integrated with the German actors, so they all have a kind of accent. And that was quite months of work, and Philip kept sending me bits and pieces of his progress on them. We knew that the actor, gonna play Bachmann, had to have a certain physicality, had to be somebody who was intelligent, was culturally aware, and was not Islamophobic. Even spoke Arabic, but he was somebody who neglected himself and was very focused on the job at hand. And when Philip came to the set, that character was kind of there. So there were moments where we needed to change something. There were moments of intense discussion, but there were a lot of moments where it just was flying. And the way I work with actors, I always like to have some of their own interpretation coming through. So I give them quite often the space to do that, and that's what I did a lot with Philip, and he really liked that way of working. So after a few weeks when we had some heavy discussions, it became very easy, and we found a way to work together in a great way to the degree that we were going to work together again on the next films. So, you know, I enjoyed every day on the set with him. I enjoyed all the communication I had with him. I enjoyed that he was an actor who didn't take any bullshit. He would just do anything to make that role believable. Nothing had to get into his way, and I loved the dedication
and the craftsmanship he brought to that character. I mean, I don't think my words can do him justice, but fortunately he does himself justice on screen. Je l'ai rencontré un certain nombre de fois en 2011 pour commencer à parler du rôle très en amont. Nous avons parlé de la question de l'accent, ça c'était vraiment quelque chose qu'il fallait trancher et décider. Je sais qu'il y a beaucoup de films où, comme ça, ça se passe dans un pays étranger, donc les gens ont quelques scènes avec un fort accent et puis tout d'un coup on passe à un anglais fluide, on ne sait pas comment. Donc c'était important pour nous de faire un choix et donc ce choix, on l'a fait aussi pour le personnage de l'avocate. Donc en fait, la question de l'accent se posait à chaque fois qu'il y avait un certain nombre de personnes germanophones qui se trouvaient dans les mêmes scènes. Donc c'est sur ce travail-là qu'on a commencé. Et puis quand le tournage a commencé et quand il est venu sur le plateau, on avait déjà un certain nombre de caractéristiques du personnage qui était établi pour nous. On savait quelles étaient ses caractéristiques physiques. On savait que c'était un homme intelligent, que c'était un homme alerte. On savait qu'il n'était pas islamophobe, qu'il parlait même arabe. On savait par ailleurs que c'était un homme qui vivait dans une espèce d'oubli de soi, qu'il était complètement focalisé sur son travail. Donc toutes ces choses-là existaient effectivement quand il est arrivé, mais quand il est arrivé, il restait encore une espèce de marge d'évolution qui parfois donnait lieu à des discussions très, très intenses. Et d'autres moments où les choses coulaient de source. Et c'est de façon générale comme ça que je travaille avec les comédiens. J'aime pouvoir leur donner une marge d'interprétation, qu'ils m'apportent eux-mêmes leur vision du personnage. Et je crois que Philippe a apprécié mon approche. Et c'est comme ça qu'on est arrivé très vite, au-delà de quelques jours où on a beaucoup discuté. Après, on est arrivé très vite à une entente assez facile et évidente, à tel point qu'on a décidé qu'on retravaillerait ensemble. Donc je ne sais pas si j'arrive à vraiment lui rendre justice comme ça en quelques mots, mais en tout cas le savoir-faire et la vérité qu'il a apporté à ce rôle où il ne se laissait encombrer par rien de superflu, il était juste là, il voulait que son personnage soit crédible et soit vrai et il a vraiment apporté cette âme au personnage. So it deals with the extraordinary rendition process, which we touch upon in the film at the end. And that's being, you know, he's being critical of that that process, I believe. And I think his anger about the response to the 9/11 situation, I think, is what motivated him in the first place to write this book. And I would agree with his stance, and that's, you know, I think that the knee-jerk reaction that was given by, for instance, invading Iraq is something that didn't make our society a better society, and I think we have to question a lot of the answers we give to the problems. Absolument, je pense que c'est très précisément ce qui m'a touché. Lui, je crois, a vraiment écrit ce livre pour réagir aux conséquences dans nos sociétés du 11 septembre. Et il est évident que l'invasion de l'Irak est loin d'avoir résolu ou de rendre notre monde un monde meilleur depuis ces événements. Et c'est vraiment sur cet aspect-là que j'ai voulu rebondir également. Je vous remercie et vous prie d'applaudir.